Empêcher de la caresser. Je vais lui faire porter un short moulant super sexy. J'ai enfin trouvé le garçon de mes rêves. Je le veux pour moi. Veux-tu bien sortir avec moi? S'il te plaît. Je suis désolée. C'est pas vrai. Je t'aime, baiser. Je vois que Monsieur Numéro 1 n'a rien maîtrisé sur ce coup-là. Sakura interrompt ta sortie avec Hikari. Hikari se met à l'aider. Tu trouves ça stupide et au final, June te la prend. Copine, loyale, code moral, je comprends plus. Je me suis inquiétée de ne plus vous voir ces derniers temps, mais je comprends maintenant que vous étiez pris dans le jeu de Sakura. C'est ça. Ne te réjouis pas trop vite de mes problèmes. Tant que je trouve ça ridicule, ça peut passer. Mais tu sais ce que tu risques à être mon ennemi. Si on peut plus rigoler, j'ai pas peur de toi. Cette Sakura est plutôt du genre insistante. T'as pourtant refusé clairement ses avances. Je suis désolée, mais je ne peux pas sortir avec toi. Tu es bien catégorique. Mais j'adore cette franchise et ça ne fait qu'augmenter mon désir de sortir avec toi qui incarne mon idéal masculin. Vous pouvez le croire et je... Très bien, on en reste là, mais... J'ai ma petite idée, alors prépare-toi à me revoir. Bye bye. Son idée? Qu'est-ce qu'elle prépare? Hein? Oh, Megumi, je te remercie. Et pour ce plan, j'aurais besoin de ton aide, Yairo. Désolée, Sakura, mais ce jour-là, je ne pourrai pas. Bon, c'est pas grave, tant pis. À bientôt. Je te souhaite bonne chance. Merci. Ah! Tiens, j'ai un message de ton père. Oh. Afin de vous remercier de toujours veiller sur Kay, je vous invite ce week-end à un grand barbecue sur une île. Bizarre, pourquoi envoie-t-il cette invitation à Akira et pas à Kay? Parce qu'il sait que Kay l'effacerait sans même le lire. Et pour cause, je sais que rien de bon ne peut venir de lui. Je vous demande de refuser cette invitation. Que penses-tu d'un barbecue? Hein? Barbecue? Code moral, engagement, femme. Barbecue! Oh, oui, ça, ça me plaît. Ok, ouais, on y va. Est-ce que quelqu'un veut bien m'écouter? La vie d'Ikari est plus important pour moi. Et il n'y a que toi pour voir des embêtements dans cette invitation. Il est hors de question que je vienne! Allez, viens avec nous au barbecue, s'il te plaît! Minute là, j'ai déjà un truc prévu. Je pourrais pas vous accompagner ce week-end. Aïe! Admirez! C'est tellement magnifique! Organiser un barbecue sur une île déserte, en voilà une idée originale. C'est tout à fait digne des Takeshima. Bienvenue à vous, élèves de la classe SA. Takeshima, je trouve que ton père a bien changé. C'est pas lui. Qui est-ce? En fait, c'est... Bienvenue! Oh, Dieu!
Je te présente le père de Sakura Ushikubo. En effet, ma fille tenait beaucoup à connaître davantage tous les membres de la classe SA. Alors, j'ai demandé très courtoisement au père de Kei de bien vouloir organiser cette rencontre. Ah, mais je comprends mieux. Mais pourquoi ne pas nous avoir invités vous-même, tout simplement? J'adore les défis. Sakura, tous les membres de la SA sont venus s'amuser. Tu vas pas leur regarder, je suis si touchée. Je dois vous dire que le bateau ne reviendra pas avant ce soir. Quoi? On s'est fait manipuler, en fait, pour attirer Jun dans un véritable piège. Il fallait m'écouter. Rien de bon ne vient de mon père. Pourquoi? On sera juste un peu plus nombreux au barbecue. Incroyable! C'est un barbecue royal! Eh ben moi, je préfère les barbecues. T'inquiète pas, Jun, ça va aller. Si tu te sens en danger, tu siffles. Je vous remercie. Mon Dieu, là ! Sakura, tu tombes à pic. On a juste besoin d'un petit coup de main. Ok. Attention. Je peux te donner un petit coup de main? Je suis très forte, j'ai fait des haltères pendant très longtemps. Dan? Salut. Jun! Il va falloir que je m'en occupe. Tirage au sort. Afin d'organiser les préparatifs, nous allons répartir les travaux par groupe de deux. Je suis contre. Et comment ça? Je suis le président directeur général de ma compagnie. Je sais donc coordonner les groupes dans leur travail. Chaque fille va tirer au sort le nom de celui avec lequel elle fera équipe. N'importe quoi, le travail en couple n'a jamais été plus efficace. Oui, tout à fait vrai. C'est plutôt marrant comme jeu. Allons-y. Kei Takeshima. Bien, si vous insistez, alors je vous suis. Oui, c'est à mon tour. Bingo. Je vais prendre celle ici. Mon partenaire est Jun Yamamoto. Comme par hasard. Kei et Hikari, lavage et rangement. Tu vas passer à travers. Mais je lave de toutes mes forces pour bien nettoyer. Garde-en plutôt pour la suite. Comment? Megumi et Tadashi, l'agencement du mobilier. Pourquoi installer un truc si lourd pour prier? Megumi, pose ton carnet et viens plutôt m'aider. Ryu et Akira cuisine. Dis donc, tu fais ça comme un chef? J'ai l'habitude. Je fais tout moi-même à la maison. Pour mes animaux adorés et si gourmands. Aujourd'hui, tu cuisines pour des humains. Megumi? Megumi, grand frère Ryu. Salut, tu viens? On va faire un petit tour dans les bois, histoire d'être tranquilles tous les deux. Arrête un peu de t'époumoner avec ce sifflet et suis-moi plutôt gentiment, allez hop. Ryu, Megumi. Dis-moi Ryu, tu le couves pas un peu trop? Pourquoi tu cherches à le protéger de Sakura tout le temps? Elle t'a fait quelque chose? Mais non, elle rien. Alors pourquoi? Pardon, Akira, mais je ne peux pas te le dire. C'est un secret. Bien, alors je n'insiste pas. Je te remercie. Jun? J'en ai assez. T'es vraiment une plaie. Oui, c'est bon, se faire rejeter par un garçon.
sont rougissants et tremblants, c'est bon. Je me sens fondre. Et puis, oublie-moi un peu. Ne dis pas ça. Merci, June. De pousser si fort. Mais June, attends-moi. Elle aussi, elle me rejetterait si elle connaissait mon secret. C'est sûr. C'est dégoûtant. Regarde, mon June, ils sont bizarres, ces champignons. Horriblement attirants. Oups. Mon June. Qu'est-ce qu'il y a? Es-tu déjà amoureux de quelqu'un? C'est pas ça. Oh, super. Mais je ne peux pas pour autant sortir avec toi. Ah. Eh ben, toi, t'es direct. Au moins, tu es un garçon honnête. Si tu m'avais dit que tu aimais quelqu'un d'autre, alors je me serais fait une raison, tu vois. Mais décidément, tu es exactement mon type de garçon. Erreur. Je ne suis pas honnête. Hein? Attends, June. Mon secret dégoûte tout le monde, elle comme les autres. June. Je me suis fait du souci. Sakura. Ryu Megumi. Hein? Est-ce que ça va? Sakura, tu abandonnes déjà? Tes sentiments d'amour pour cet idéal tant recherché sont-ils si faibles? Non, en fait, ils sont forts! Très bien! Ce sont ceux qui ne renoncent jamais qui gagnent dans la vie. Never give up! Never give up! Yeah! Wow, ça a l'air bon, hein? Mais dans la nature, c'est meilleur! Espèce de glouton! June! Ferme les yeux et ouvre la bouche. Mince! Non! Oh, mince! Je t'ai taché la joue. Je vais te l'enlever tout doucement. Arrête! Dites, allez-vous cesser à la fin? Qu'est-ce que vous avez contre Sakura? J'en ai assez de vous voir perturber mes projets. Je veux par-dessus tout que ma fille ait ce qu'elle désire. Ne me dites pas que vous n'avez jamais reçu une bise sur la joue. À votre âge, tout le monde se fait des bisous. Ouais, c'est déjà arrivé. Me regarde pas! Quoi? Mais alors, Ikari? Mais alors? Je crois qu'il m'en faudra un autre. June, enfuis-toi! Si vous vous obstinez à gêner ma fille, nous utiliserons la force. Je suis avec toi, June. De quoi je me mêle? Monsieur, vous ne comprenez rien. Moi-même, je l'ai compris depuis peu, vous savez. Mais de quoi tu parles? Le baiser ne doit se faire qu'entre deux personnes qui s'aiment.
On ne peut pas l'imposer à quelqu'un. Bravo, Ikari a bien mûri côté cœur. Et je m'en félicite. Ok. Eh ben là, je suis avec vous. Oh, merci. À l'attaque! June, file te cacher dans la forêt. Je vois. Alors je te dégoûte au point de combattre. Hein? Pardonne-moi. Je n'insisterai plus. June! Hein? S'il te plaît, embrasse-moi sur la joue. June! Écoute-moi bien. Tu dis m'apprécier pour ma franchise, mais tu te trompes. En fait, je cache quelque chose. Hein? Je ne te fuis pas parce que tu me déplais. Si après ton baiser, tu vois que j'agis bizarrement, alors fuis-moi. June! Oh, mon June, comment ça va? Oh, j'étouffe. Non. June! Un petit baiser sur la joue. Ce n'est qu'un début pour Black June. Mais yes! Ah, ça fait longtemps que je n'avais pas été moi-même. Je dois récompenser celle qui a osé. Vu? Il se passe qu'elles sont tombées sous le charme de June. C'est quoi? C'est drôle, mais je me doutais que ça n'aurait aucun effet sur toi. Tu veux la bagarre? Alors, pas trop vexé, les garçonnets. Ouh, il commence à m'énerver. Pardon. En fait, June a un problème. June était un enfant hypersensible. Un jour, il a regardé une émission télé où un timide se faisait hypnotiser pour devenir entreprenant. Et June a été hypnotisé lui aussi. Et depuis, chaque fois qu'une fille l'embrasse, il se transforme en Black June. Le nénuphar qui fleurit à la lumière de la lune. L'orchidée qui boit les perles de rosée. Les coquelicots qui vibrent sous la douce brise matinale. Toutes ces gracieuses fleurs embellissent mon imaginaire. Sakira m'horripile ! À l'occasion de son premier rendez-vous en amoureux, il avait 11 ans et il a séduit toutes les filles du parc. Et sa petite amie l'a rejeté en le traitant de sale type. Wow, incroyable! C'était donc ça! Bien, la suite c'est quoi? Pour qu'il redevienne normal, il doit juste s'évanouir. Megumi, c'est à toi. Les amis, Megumi va chanter! June? Hein? Repose-toi. Même dans cet état, ma personnalité raisonnable reste présente. Je perçois la surprise des gens, l'inquiétude de ceux qui m'aident et leurs paroles. C'est dégoûtant! Et j'en finis par me détester. Plus que quiconque, je pense,
je me dégoûte. Tu es un être formidable, Jun. Oh. Tu as un don. Changer de personnalité, c'est extraordinaire. Et j'aime les deux. Oh. Hein? Je te remercie. Ça me plaît. Oh. Moi aussi. Quelque part, je suis content. C'était mon ventre. C'est normal, c'est qu'on n'a rien mangé finalement. Oups. C'est la loi des séries. Bon, il reste du riz, je vais vous faire ma spécialité de boulettes. Ouais, moi aussi, je vais en préparer pour mon Jun chéri. Moi aussi alors. Pas toi, Ikari. Hop, et en voici une pour toi avec tout mon amour. Bon appétit. Tout ça me met terriblement mal à l'aise. Hein? Mais enfin pourquoi? Jun! Tadashi l'élastique, j'ai une question. Laquelle de ces affirmations sera vraie dans le prochain épisode? 1. Kei a des ailes. 2. De la mousse pousse sur Tadashi. 3. Ryu devient un dragueur obsédé. Vous le saurez au prochain épisode. Retenu, sourire.